On dit quoi, my loves? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous montre certaines des coiffures que j'ai réalisées. Si vous me suivez sur Snapchat ou sur Instagram, vous avez dû les voir donc sur mes réseaux sociaux. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces coiffures-là. C'est extrêmement facile. Actuellement, j'ai toujours en coiffure protectrice la perruque Kinky Blowout de la marque Her Given Hair. Il m'a envoyé cette unité-là pour que je la teste et pour que je vous dise ce que j'en pense. Je vous ai fait une vidéo installation normalement qui doit être ici. Voilà, dans le petit carton vous devriez la voir, ou alors peut-être je l'aurais mis en lien en barre d'infos, mais en tout cas vous l'avez quelque part sur ma chaîne. Donc je vous ai montré comment est-ce que j'ai installé cette perruque là et franchement je m'en remets pas, je m'en remets toujours pas. Alors je vais vous parler rapidement de cette perruque, de cette unité là, avant de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu t'es abonné? Si t'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne en cliquant ici sur le petit bouton et en cliquant sur la petite cloche juste à côté pour être notifié à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Comme ça, tu vas rien rater. Tu seras au fait des actualités, tu vois, avant même tout le monde. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une perruque qui est fabriquée sur une base de lace totale, donc sur toute la tête. Elle comporte trois petits peignes donc pour fixer la perruque. C'est un 18 pouces donc qui va jusque ici à peu près. Voilà, et dans le dos ça donne ça. C'est du 18 pouces que j'ai. Donc c'est une texture, on va dire brushing, cheveux lissés, mais cheveux naturels lissés ou cheveux texaxés. Ouais, le soleil, c'est même comment? C'est comment? Dis donc. Il y en a qui se plaignent parce qu'elles n'ont pas le soleil. Celles qui ont le soleil se plaignent, laisse, c'est comme ça, c'est l'être humain. Donc du coup, comme je vous disais, c'est une texture blowout en fait. Donc comme c'était des cheveux qui avaient été séchés avec un brushing, moi je trouve que ça ressemble à mes cheveux texlaxés. Je vous avais fait une photo que je vous avais mis dans la vidéo précédente et ça a vraiment la texture des cheveux texlaxés. Et honnêtement, on peut faire tellement de trucs avec, sincèrement. On peut les monter complètement parce que le lace, comme je vous ai dit, va jusqu'à l'arrière. Donc on peut les monter en hauteur comme ça. C'est juste un vrai kiff. Par contre, pour la période chaude qui arrive, c'est pas l'idéal. Donc moi je les porte bien souvent levées ou dans un foulard. Comme vous avez dû voir sur une de mes photos, là sur un de mes réseaux sociaux. Je vous laisse avec les trois tutos et je reviens à la fin pour vous faire ma revue finale.
YouTubeuse qui fait souvent des partenariats. Pour pouvoir travailler avec une marque, il faut vraiment que la marque me plaise et que les produits me plaisent et m'intéressent. Sinon, j'ai pas besoin de partenariat en fait. J'ai un travail, etc. Donc, j'ai pas besoin de partenariat ou de vidéos sponsorisées pour vivre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand j'en fais, c'est assez rare. Vous avez vu sur ma chaîne, c'est assez rare. J'achète les produits, je vous en parle. Quand c'est gâté, c'est gâté. Quand c'est bon, je vous le dis. Là, honnêtement, on est sur une perruque qui est vraiment top. Mon gros bémol, c'est qu'elle perd beaucoup de cheveux. Donc je ne sais pas si c'est parce que j'ai passé ma brosse chauffante de chez Revlon dessus. Je ne pourrais pas dire. Mais en tout cas, au quotidien, à porter tout le temps, souvent derrière moi, en fait, dans le salon, etc., on se rend compte dans la maison que j'ai perdu les cheveux et tout. Donc c'est mon gros bémol. C'est que les cheveux tombent assez régulièrement. Maintenant, en termes de densité, on est vraiment très bien. Donc c'est pas les 2-3 petits cheveux que je perds par-ci par-là qui vont faire que ça va perdre en densité. Elle se lave très bien, elle reprend. Au début je pensais qu'en la lavant la première fois j'allais perdre ce côté là en fait, ce côté cheveux texaxés, et ben pas du tout, il revient instantanément. C'est-à-dire que moi je l'ai séché avec la brosse séchante de chez Revlon parce que je filmais et je voulais vraiment faire les choses, je voulais vraiment que ce soit un beau fini, qu'il y ait un beau rendu, mais sincèrement vous pouvez la laisser sécher à l'air libre. Par la suite je l'ai lavé et je l'ai laissé sécher à l'air libre et franchement ça a repris ce côté là en fait, aussi simple que ça. J'ai tendance à faire des co-wash sur ce genre de qualité de mèche plus que des shampoings parce que c'est, je trouve que c'est plus doux. Donim j'aurais plutôt tendance à prendre des produits comme le SIM ou le Eden Body Works, ou même prendre un conditionneur de chez Très Aimé, laver mes mèches, mes longueurs avec et mettre à sécher sur ma tête de perruque. Après vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais je pense que les shampoings auront plus tendance à agresser les cheveux que le co-wash qui est beaucoup plus doux. Donc moi je suis vraiment fan. Je vous ai dit, si je devais choisir entre cette mèche là, enfin cette définition là et la précédente que j'avais testée pour Her Given Hair, je vous mets le petit carton juste ici, je choisis celle là sans aucune hésitation parce qu'elle ressemble, c'est comme avec le français aujourd'hui, ouais, le français est compliqué parce qu'elle ressemble vraiment à des cheveux de Texas et à des cheveux naturels en fait qu'on aurait, sur lesquels on aurait passé juste la brosse soufflante ou le paint show ou des choses comme ça. Donc moi je suis vraiment fan. Et voilà my love, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez surtout pas à la liker si jamais elle vous a plu. Ah ouais, j'aimerais bien vous poser une question. Vous préférez les tissages ou vous préférez les perruques? J'aimerais vraiment savoir. Parce que pendant des années, j'ai mis des tissages. Et en fait, à un moment donné, j'arrivais juste plus parce que mes cheveux respiraient plus. Donc j'ai basculé aux perruques. Et en fait, tu peux l'enlever le soir et la remettre quand tu veux. C'est juste génial en fait. C'est vraiment juste génial. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Vraiment, si elle vous a fait plaisir, n'hésitez pas à la partager. Les likes et les partages, c'est un outil de mesure pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour savoir si la vidéo vous plaît vraiment. Si j'ai 5000 vues et que j'ai 1000 likes ou 1500 likes, ça veut dire que vraiment, c'est quelque chose qui vous a plu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc sincèrement, n'hésitez pas à liker, à mettre des pouces en l'air si jamais ça vous a plu. À vous abonner pour toutes celles qui sont arrivées jusqu'à la fin de la vidéo et qui ne se sont pas encore abonnées et qui vont attendre samedi prochain à 10h30 pour taper nous la vallée affranchie. Je te fais gagner du temps. Abonne-toi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.